Tiens, vous avez sorti le vitriol ? Comme tous les médias, nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public. Nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien. Indépendant vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs, y compris celui invisible du conformisme et du suivisme. Prenons un peu de hauteur et découvrons ensemble la sympathique ville de Clermont-Ferrand. Admirez ce panorama et le splendide écrin de verdure qui borde la cité. Voici les monts d'Auvergne. Vous remarquerez la présence majestueuse de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Sa couleur si caractéristique est due lors de sa construction à l'utilisation de la pierre de Volvic, issue des coulées de lave du puits de la Nugère. Tout à fait. Au petit JT, chaque matin, vous pouvez compter sur nos meilleurs spécialistes au plus près du terrain pour vous distiller une information exigeante, vérifiée, mais aussi une information qui agrémentera votre congrès. Notre équipe de choc brandira l'étendard de sa subjectivité journalistique sans faille, et ceci en toutes circonstances. Découvrons à présent le véritable centre névralgique de Clermont-Ferrand, la place de Jean-Aude, un endroit qui prête à la rêverie. Voyez comme elle scintille les couleurs chatoyantes de ce lieu emblématique qui a traversé les époques. Au XXe siècle déjà, la place était un site de promenade très prisé des administrés locaux. Aujourd'hui encore, les promeneurs contemplent, le nez au vent, les façades rutilantes qui bordent ce diamant architectural. Enfin, et c'est essentiel, ce reportage ne serait pas absolument complet sans que l'on évoque le sens du collectif que les Clermontoises et Clermontois ont érigé en véritable sacerdoce. Un art de vivre réellement contagieux qui ravira tous les visiteurs. À vous les studios, ciao! Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a cette semaine à Clermont-Ferrand, il y a un congrès de la CGT ? Est-ce que vous êtes au courant ? Non, je crois pas, j'en ai pas entendu parler, désolée. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont tout bloquer ? J'aurais envie de vous dire j'espère pas parce que je suis en galère pour mes enfants, pour l'école, mais sinon après qu'ils se mobilisent pour les citoyens, c'est une bonne chose quand même. Non, ils vont venir manifester à Clermont mardi. Pas de problème, on les accueillera avec plaisir. La CGT, ça vous fait pas peur, c'est bon ? Ben non, mes amis en sont. Mais c'est pas grave, hein. On peut discuter, hein. Même si je suis pas du même bord, c'est pas grave. Vous auriez un message à leur faire passer ou pas ? Ben, qu'on les soutient et qu'on espère avec eux que s'ils peuvent faire changer les choses, on les encourage pour ça. Donc. Franchement, Macron, il nous prend pour des cons. Un syndicat ne fait pas peur. On verra ce qui se passera, voilà, tout simplement. On attend. Alors, on attend nos retraites déjà. Hein. Donc, on devrait y être depuis longtemps, mais ils ne veulent pas nous la donner. Voilà, déjà. Merci. Faut qu'on paye, excusez-nous. C'est pas gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit n'importe comment. Il n'y a plus rien. Après les derniers travaux de l'après-midi, un vernissage d'exposition vous attend dès 18h à l'espace exposant. L'IHS propose une rétrospective anniversaire à l'occasion de ses 40 ans. Ernest Pignon Ernest exposera une sélection d'œuvres allant de 1965 à nos jours. Et enfin, vous pourrez découvrir Gold, la série de photographies de Sebastião Salgado sur une mine d'or dans l'état de Pará au Brésil. Hello mes amis, je suis surpris de ne voir aucune Gauloise ou Gaulois réfractaire, ni même de feignant. Je regarde de l'autre côté de la rue et je ne vois aucun travail. Mon collègue Manu semble dire des bullshit parfois. Ce que je vois, c'est un énorme engouement. Le monde entier vous regarde. Vous êtes une source d'inspiration. Je vous souhaite un excellent 53e congrès. Et je suis de tout cœur avec vous. Merci. Yeah.
on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles.